jardin. On enlève les chaussures. Non. Mais donc on a vécu ensemble pendant longtemps à Strasbourg et tout ça. Elle bossait au Conseil Général et bah moi j'étais à l'époque j'étais encore intermittent du spectacle. Ah c'est ça. Au début j'étais là, lui il est dans le spectacle. Il est dans le spectacle. Puis le regard, elle est oui vous pouvez faire ça. Et un truc droit, mais il n'est pas aussi grand qu'un ténor. Ah, c'est trop beau. Voilà quoi. Ouais, mais oui, ouais, c'est un super sensation de jouer dessus et tout. Et du coup, ça date des années 20. Ouais, je crois qu'il est de 1920, c'est écrit dessus quelque part. Et c'est quoi l'alliage? Ça, je sais pas trop, mais c'est une très bonne question parce qu'à l'époque, les alliages étaient aussi plus riches encore qu'aujourd'hui. Quoi. Ouais. Et souvent, bon, mécaniquement, les trucs, c'est un peu, bon, ça n'a pas le confort des instruments d'aujourd'hui, quoi. Dans cette revisitation de notre vie à rebours, on entend plus clairement l'écho de notre voix. On évalue à sa juste mesure le poids de chaque geste. Je sais ce que je gagne, à arrêter ainsi ma définition. Je sais l'ancrage et la force tranquille qu'elle me procure. Mais j'ai aussi le pressentiment de ce que j'y perds, de ces pages tournées qui refusent de se décoller de mon doigt en suspens, de ces quatre vents qui ont agité mon âme informe et mon cœur de feu. J'ai encore le souvenir du vent sous mes ailes et de ce trésor que je cherchais, sans encore l'avoir trouvé. J'ai encore le souvenir de ce vide sous moi et nulle part où se poser. Et je n'en ai pas encore tourné la page. Je n'en ai pas encore tout à fait tourné la page. Dragon dormant un œil ouvert. Richard. Un film, hein? Norbert Richard, from Ice Cross. Ouais, mais from Pollard. J'habitais là-haut aussi pendant 10 ans. Potovec, c'est le nom du quartier par là. Potovec. C'est la forêt là. Eh bien, on irait là. Ben oui, on va aller se promener un peu dans le Potovec. Oui, parce que tout ceci, j'habitais là-haut aussi pendant 10 ans. Pain de dentelle. Figure de bois, le corps en brique, les yeux qui piquent sur la marée haute, je suis.